particulièrement le service Mon Cash là. OK? Maintenant, c'est une transaction sur plusieurs transactions que mon cas fait. Et changement ça, vraiment, la fête est parce que il y a des augmentations et de structure de coûts service là en général. Mais surtout, bagay qui est important, c'est que nous voulons qu'à conserver et des transactions gratuites que nous te mettons en place pour clients nous depuis un an de ça. Maintenant, n'a pas parlé de transactions retrait, c'est vrai, c'est là que nous sommes obligés de faire des ajustements, mais il y a toute l'autre qualité de transaction qui c'est transfert de compte à compte, dépôt, paiement de différents et commerçants, paiement de factures, toute transaction ça est complètement gratuit. Et comme nous voyons que clientèle noire est abservie avec transaction, nous voyons que clientèle noire de plus en plus, nous obligés de faire des ajustements sur une transaction qui c'est transaction de retrait, mais que client pas besoin nécessairement faire si vous continuez à servir avec compte mon cash dans l'écosystème là. Maintenant, Kounia, est-ce que c'est parce que nous estimons que mon cash l'a bien fonctionné ou est opération en fait en pile et puis nous avons profité et fait des moyens sur encore? Écoute, tout produit a évolué, OK? Et pas, moi, pas penser que c'est une question de profiter, parce que j'aime dire là, si c'est une question de profiter, il y a un pile de transactions que nous n'avons pas fait gratuit, OK? Et faut me dire que plus que 80% de toutes transactions qui sont faites dans le système Mon Cash là, complètement gratuit. Maintenant, ceci dit, faut que nous pas ignorer que exactement des évolutions dans l'environnement autour. Et l'environnement nous a ajusté, faut que nous ajustions avec eux. Mais je voulais insister quand même que 80% de transactions Mon Cash sont gratuites. Et même avec ajustement que nous avons fait, okay, nous trouvons dans une situation que et Mon Cash était moins cher que la majorité services traditionnels de transfert comme dans le pays. Je regarde le pourcentage là, gros, et monsieur Bouin, 40%, et puis en bas, j'aime là, gain tranche l'argent, gain frais avant, frais kounia, augmentation pourcentage, 40%, ça justifie ça. Écoute, j'aime dire, nous, là, il y a pile monde qui gardait, il y a pile monde qui gardait des différents braquettes dans retrait, OK? So, dépendamment de montant que moun fait retrait, frais à différents. Kounia là, nous allons réaliser que l'ajustement est beaucoup plus faible dans toute transaction qui est en dessous de 4 000 gouttes. Et Radio pour qui Omega. ça que nous fait ça, son bagage qui était très conscient, parce que 95% de transactions nous faites au-dessous de 4 000 gouttes. Et j'aime dire, nous là, le, nous comparer avec tout l'autre service de transfert qui traditionnel qui n'a payé, il aurait été nettement bas à tout ça qui existait malgré l'ajustement. Oui, mais c'est là, moi, dis-moi l'autre mouvement, yo. Mais même plein internet, yo, gede moun ka plein, tout yo mette kob sur yo de temps à autre. Écoute, depuis que nous faisons des changements sous plan, nous avons toujours l'autre partie qui est ajoutée sous les taux. Ce qui veut dire quoi? Par exemple, ou t'as un plan, ça joue aussi des monde qui a parlé, par exemple, de plan MyLife 400 gouttes noires. OK? Plan MyLife 400 gouttes noires, côté que nous faisons ajustement exactement sous l'IA. Nous doubler quantité de minutes et nous doubler quantité de data. So, c'est toujours en question d'ajustement qui fait basé sur demande que nous voyons que clients nous ont gagné et basé sur ça que nous avons possibilité pour nous faire en termes de technologie. Maintenant, il y a des demandes de plus en plus pour plus data, pour plus pour plus et minutes. Maintenant, nous bail clients nous ont plus data et plus minutes et nous refléter notre trafic que nous avons à travers le réseau nous. Et là, qu'on y a la demande ça et utilisation en plus, faut que nous fassions des ajustements sur le plan ça. Maintenant, ajustement, je pense que ça dépend, monsieur Bouin, en fonction des services là tout. On garde un plan par exemple qui était 400 gouttes pour 30 jours, tout d'un coup monter à 600 gouttes, alors que même conditions, même bagaille, t'es même genre. Ce n'est pas même condition et même bagaille. Nous allons réaliser que le premier bagaille, c'est que nous avons annoncé que sous l'application Magi, celle-là, que l'itéraire pareil, OK? C'est pour nous encourager à aller sur l'application Magi, celle-là, OK? Et c'est un bagaille que nous faisons pour nous permettre aux clients de nous garder
différents offres que nous gagnons en termes de gratuité que nous bayons à travers services et sous-pays que nous gagnons, côté que nous bayons des plans gratuits tous les jours. So, nous mettons en place et des stratégies pour encourager les gens à servir avec les applications noires pour qu'ils puissent prendre avantage de différentes offres que nous avons faites en termes de cadeaux tous les jours. Vous estimez ça gain justement et objectif et servir la population haïtienne ou bien nous Digicel lui-même là-dedans? Écoutez, pas gain aucun bagage que on business fait qui pas pour servir population et en général, OK? Si on business a essayé faire un bagage qui pas servir population, il juste pas marcher. Maintenant c'est faut qu'il y ait une balance qui fait entre tous les deux. Et je me dis, on a parlé de mon cash là particulièrement, son bagage qui est clair, je me dis, nous mettons 80% de transactions qui sont complètement gratuites. Okay? Et malgré que nous avons fait ajustement sur une transaction, dans toute transaction qui vient dans le service là, prio, côté que 95% de transactions que nous faisons, est plus bas quand même que tout ça qui vient sur le marché. Nous estimons que tout ça que nous faisons, on toujours fait avec population en tête en général. Vous pensez que des monde qui a dit justement c'est parce que pas une concurrence, sinon nous pas capable prendre de décision comme ça parce que pas une concurrence en phase Digicel, nous décider agir comme ça. Maintenant, on garde kounya plan alors que moi des monde qui déjà a parlé de sitting devant Digicel, comment nous va gérer ça yo? Écoutez, je dis à là depuis hier, OK, nous avons communiqué avec la presse, nous avons communiqué avec les clients, nous avons communiqué avec tout le monde en général et nous comprenons que il y a pile question sur ajustement et nous parler pour nous répondre à question ça mais jusqu'à présent nos décisions que nous prenons, que nous obligés prendre et par rapport à l'environnement nous et en général, et nous allons continuer et expliquer le raisonnement derrière la décision. Raisonnement derrière la décision. Justement, est-ce que vous pensez que Mounio qui entre dans Internet avec mon cash là, explication ça est capable de convaincre en fonction de ce banou là par rapport avec Jean-Plan Yoye, par rapport avec service après ses voix par exemple? Moi, parce que je comprends une question, monde qui rentre dans Internet. Monde qui gagne un domaine, parce que c'est deux bagages là, je vais garder avec vous, je vais garder décision, mon cash là, mais je vais garder de plan Internet tout. Ok? Mm-hmm. Est-ce que vous pensez que l'information ça va nous là, ou bien service, il y a convaincu pour l'argent, il prend ou bien il augmenter sous vous? Écoute, moi, vraiment, pense que c'est le cas, ok? Et je me dis, moi, ce que nous gardons en termes de comportement, c'est le trafic que nous avons et à travers les zones, à travers l'écosystème. Si nous avons trouvé une situation côté que nous réalisons qu'il y a une continuité dans l'utilisation et minutes, il y a une continuité, une augmentation, si vous voulez, dans la consommation minute, une augmentation dans la consommation Internet, une augmentation dans l'utilisation de mon cash. Ça veut dire que nous offrons un bagage qui paye valeur. Et moi penser que peut-être parce que pas gain l'autre option tout pas gain concurrence. Moi penser vraiment que si que nous pas en mesure pour nous baille valeur que et nous pas ta pouvoir augmentation ça en permanence. On dit tête nous obligé adapter monsieur Bré parce que pas gain concurrence. Ça t'a répondre. Moi t'a répondre que ce n'est pas le cas, OK? Sur le plan de télécommunication, écoutez, nous connaissons qui est concurrent et Digicel. Et je dis que les compagnies qui sont propriétaires de loin ont plus gros compagnies que Digicel à travers le monde. So, je ne suis pas tout à fait d'accord. Le monde a dit que pas de concurrence. Compagnon, juste pas en Haïti. Compagnon, juste pas en Haïti, monsieur Bouin. Mais maintenant, pendant ça, qui ça n'a fait pour nous améliorer Internet là? Puisque justement, Internet Digicel là, franchement, sont tombés les veillés, surtout l'après-midi. Depuis le 4 ans, qu'est-ce qui va casser par Internet Digicel encore? Il y a plusieurs challenges à travers les lois. Et les gens qui tapent suivre moi au début de l'année, nous tapent. Attendez que nous avons un projet de modernisation qui a commencé à partir du mois d'avril, OK?
projet ça malheureusement avec différents problèmes que nous venons de gagner pays, que ce soit événement en juillet, tremblement de terre là encore en août, créer que gagner des délais dans modernisation ça. Moi content que nous recommencer avec différents projets et pendant mois septembre là qui fait passer là, mais en même temps tout faut dire que il y a des différents challenges Radio Mega encore dans environnement nous et en général, OK, en termes de infrastructure de fibre optique nous, il y a des coupures pratiquement 10 à 12 fois par semaine, OK, qui sont bagailles qui pas exister et dans aucun autre dans marché nous, que ce soit pour sabotage ou question d'infrastructure. Dans l'autre côté, nous trouvons la situation côté que tout le monde fait face à lui, il y a de grosses pénuries déjà de gaz dans le pays, et il vient trouver une situation que nous avons des incidents de vol à travers le pays qui cause de vol de non seulement de gaz mais de batteries sur différents sites, qui fait que nous avons des sites qui a tombé en permanence. Radio nous toujours faire face avec différents éléments qui sont très difficiles et adresser le plus rapidement que possible, mais c'est en réalité que nous obligés de faire face à lui et dans le pays. Mais, monsieur Bouin, je regarde là sur les réseaux sociaux là. Mounio dit que l'explication concernant le retrait n'est pas fini très clair pour vous. Est-ce qu'on est capable véritablement de descendre la terre pour expliquer véritablement qui côté problème là, y est entre Digicel et population, la cadre soit expliqué là où il. Écoute, moi je pense que bagaille que mon yo doit comprendre le plus, OK, c'est que retrait c'est une transaction qui pas nécessaire. Ce qui veut dire que on monde ca recevoir un transfert à travers P2P, j'aime dire là, qui sont transactions gratuites et lika servir avec même monde qui recevoir montant qu'a servi avec transaction ça tout pour lui faire des transactions de chaque jour, OK, soit on a le marché, on a payé en camionnette, la payé en moto, il y a une possibilité pour lui payer ça avec mon cash. Maintenant, une des choses que nous réaliser c'est que on commencer à comprendre le principe ça, et d'ailleurs transaction ça que m'a parlé nous transaction P2P, c'est une transaction qui en un an multiplié par 6. Il y a à peu près 1 million de transactions par mois et année dernière. Il y a 6 millions de transactions que nous avons fait. Et j'aime dire, c'est pour ça que nous voulons rendre transaction ça qui était payante année dernière, nous rendre gratuite. Maintenant, parce que nous voyons que la clientèle nous a adopté transaction ça et nous ne voulons pas ajouter frais sous lit, ajustement que nous obligés faire sous partie retrait. Qui sont transactions que le client n'a pas nécessairement obligé de faire. Est-ce qu'on est d'accord que si Digicel, par exemple, n'était pas là avec Radio Mega pour nous faire une campagne de sensibilisation pour t'expliquer Mounio véritablement qui ça est capable de bénéficier de toute structure qu'on met en place là, je veux dire, on n'a pas de problème ça parce que une éducation qui n'est pas faite pour que Mounio comprenne qui est capable d'utiliser tout ce dit là comme avantage, toute structure qu'on met sous pied là. Est-ce qu'on parle quoi que le problème dans le Digicel, que l'être pas communiqué assez à la population, pas éduqué la population assez? Moi, je pense que l'éducation, c'est un bagage qui est constant que lié. Faut-moi dire que nous mettons en place depuis quelques années d'ailleurs, OK, plus que 300 personnes, OK, qui sont à travers le territoire là, de façon constante, qui a fait éducation client, mon cachot, face à face. Nous continuons à faire en permanence et nous continuons à bailler autant d'informations que nous sommes capables et tout le temps. Et c'est pour ça que nous disons que le plus gros effort que nous devons faire, c'est continuer l'éducation, ça, continuer à parler avec la population, hein, continuer à expliquer que il y a des autres bagailles que nous avons fait pour les gens qui peuvent réaliser que il y a des autres bagailles que nous avons fait. Et à partir de là, son bagage qui va évoluer au fur et à mesure. Mais monsieur Bouin, d'accord, montre justement tout ça, mon a écrit là en bas et site Mega. Mon n'est pas au courant de tout ça abdi là. Mon n'est pas au courant qu'on gagne des formateurs là. Mon n'est peut-être pas là avec un monde, n'est peut-être pas là avec deux monde. Mais gros population, pour qu'ils n'aient pas font campagne de marketing et d'éducation, de sensibilité, côté qu'on explique mon nom, mais ça programme,
à partir justement de sport publicité, à partir de l'éducation qu'on va faire soit l'Améga, soit l'autre bagage pour permettre que le monde comprenne l'ensemble de bagages. Écoute, c'est toujours un bagage qui faisable, et j'aime dire, c'est des bagages que nous allons continuer à faire. Faut me dire que nous déjà mettre en place une campagne que nous allons implémenter dans les semaines à venir, qui exactement sera via en continuité de campagne d'éducation. Mais j'aime dire, là, et conversation pas jamais fini. C'est pas un bagage côté que vous faites une conversation et puis les camper là. Éducation, c'est un bagage qui est constant, qui peut continuer constant, surtout lorsque nous avons un environnement qui change, nous avons des produits qui changent, nous avons des différentes façons de faire les choses. C'est un bagage que nous allons continuer en permanence. Bon, moi-même, je pense que ce n'est pas population pour nous garder. C'est peut-être que on mauvaise diffusion, ou bien pas une diffusion par rapport à service qu'on a vendu, qui fait que je dis à mon très hostile. À augmentation ça qui fait là. Moi pas capté très bien là. Est-ce que justement monsieur Bouin ou même Décamando pour qui ça là justement gagne des zones moun yo pour yo parler au Kay par exemple moun au Kay comme dit ça là gon zone qui les payant pour moun yo parler c'est son tête moun yo monter alors que des fois yo pas capable joindre rien qui s'accompagne après le faire pour résoudre problème ça et surtout des fois qu'après le monde autant de téléphones n'a sonné puis téléphone dans beaucoup de monde n'a pas sonné oui écoute ça c'est il y a des cas particuliers et à tous les coups maintenant si vous comptez effectivement que on monte à gagner un problème il y a une multitude de problèmes on t'a parlé de zone les cailles là. OK, un bon exemple et par exemple dans zone sud ça là effectivement côté que mon entourage et youn nan site yo tellement flogué des bagages sur site là que yo brûlé ni génératrice ni inverteur qui était sur site là qui fait que couverture là pas là et moi pas gain problème depuis que mon gain bon problème particulier pour ta contacter nous pour faire connaître que yo bon problème particulier ça pour que nous diagnostiquions et que nous gardions avec eux comment que nous allons résoudre. Maintenant, Kounia, bon garder ça avec vous. Ou dit c'est sous youn là d'ailleurs et c'est sous retrait. Il a augmenté frais. Pour qui ça c'est lui-même puisque c'est lui-même tout le monde plus utilisé. Comme si que des monde là qui ont problème rapide, on proche ou vont bail pour rapide ou le dégage. Eh ben réalité a c'est que c'est pas lui que monde plus utilisé. OK? Jean-Zola, en termes de transactions, il y a à peu près 1,5 à 2 millions de retraits par mois, ok? Tandis que Jean-Zola, il y a 6 millions de P2P par mois, sans compter quantité de transactions gagnées dans acheter ou échange, dans jouer jouette, dans payer facture, etc. Maintenant, c'est une assumption que nous dit que. Et ces transactions qui plus utilisées, mais la réalité c'est que c'est pas le cas. En tout cas, pas de problème, mais m'espérer Jean-Moël là et monsieur Bouin, c'est pendant ma fin interview ça moi qui calte problème qui gagnait. Bon grand pile me connaît, me digicel tout, mais en pile monde dans des zones là grand gosier bicentenaire, mon appel crime là, Okay, Camperin même monde qui dans l'autre département pas carré, moi ces problèmes ça yo important pour ta résoudre puisque si n'a bénéficié ou bien n'a payé pour service yo, faut qu'au moins d'argent yo. Eh bien, encore Jean-Zola, chaque cas c'est des bagailles qui particulier, OK? Par exemple, moi qu'aborder exemple dans sa cité que me connaît très bien, OK? Et j'aime dire moi faut que mon au courant que c'est tout le monde qui fait partie de pays a qui gagne des bagailles dans l'environnement qui affecte nous. Si vous prenez zone bicentenaire là par exemple, OK? Nous avons un site que ça fait des mois qu'on y a là, que nous pas qu'à gagner accès à lui à cause de questions de sécurité. Okay? Nous avons un employé qui était attaqué, nous avons toute une quantité de essais qui fait pour essayer d'accéder à ce site ça que nous pas capables. Dans la zone Camperien, par exemple, qu'on soit cité à tout, nous avons un site qui est écrasé complètement dans le tremblement de terre là. Maintenant, je me dis, nous avons des événements qui arrivent dans le pays et qui fait partie de la réalité pays, mais qui affectait pas seulement des séries de monde, mais qui affectait tout le monde en général. Très bien. Maintenant, Kounia, on approche, je vais aller, M. Bouin, puisque nous n'avons pas trop de temps.
Est-ce que les gens font transfert pour mon cash ou payer frais? Bon, par exemple, m'a voué 5000 goud, yo dit m'a baye 150 goud comme frais, alors que les gens nan al prend, yo prend on l'autre comme encore sous lit. Pour qui ça différence ça? So c'est un bagage encore que nous t'ai expliqué correctement. Mm-hmm. OK, c'est parce que bon transaction qui fait au niveau de agent côté que moun la et pas obligé faire. OK, premier bagage que on moun ka faire, c'est faire un dépôt sur propre compte PAL, OK, qui gratuit et li ka voyer pour moun que la voyer de façon gratuite tout. OK, maintenant c'est j'aime dire noir, c'est des changements de comportement que moun est commencé à adopter. Mais transactions gratuites ça yo là comment bénéficier yo? Si yo là pour moins femme ka bénéficier yo définitivement et tout moun ka bénéficier. OK. En tout cas, pas de problème. Mais espérer que ça va améliorer. Mais maintenant, on dit tout là, sob dim là, c'est pour convaincre moun yo que yo pas besoin vinn rassembler devant Digicel là lundi. Écoute, moi pense que moun doit exprimer yo à tous les moments. Maintenant, moi pas prendre position pour que moi dit moun qui ça pour yo faire, qui ça qui pour yo pas faire. Seule position que m'apprend, c'est que moi-même, je vais continuer à bailler autant d'informations que je suis capable. Je vais continuer avec le programme d'éducation, je ne t'ai pas l'air. Et c'est vraiment ça que nous avons fait. Nous ne pas rentrer dans la logique que nous avons essayé de convaincre les gens, ça peut faire, ça peut pas faire. Et nous vivons dans un pays que tout le monde a droit pour décider ça. Est-ce qu'on peut penser que l'étape plus logique, peut-être dernière question, ou pas penser que l'étape plus logique avant de monter ça, pour nous faire campagne, ça marcher convaincre les gens, et justement, nous avons fait l'avant, et puis après ça, nous avons fait frère. L'étape plus correct, et puis l'étape ça, nous avons entré dans l'homme, et puis nous avons trouvé son simple formalité, ou pas penser que l'étape plus correct comme ça? Écoute, de expérience par nous, que nous faisons avant, que nous faisons après, que nous faisons pendant, et réaction et parle toujours très émotionnel. Nous-mêmes nous sommes un peuple qui est très émotionnel en général et son bagage que nous connaît et j'aime dire noir, c'est pas comme si nous pas jamais faire éducation et sous produit mon cash là, c'est des bagages que n'a fait depuis des années, sinon pas t'a jamais bien adoption de produit là, OK, et j'aime dire noir, nous va continuer faire les pas penser que si nous te fait quoi que ce soit de différent et avant que le cap change quoi que ce soit. Mais ça que m'a dit, c'est que nous très conscients que faut nous continuer au niveau de l'éducation de sa produit à offrir et ça que monde qu'a fait avant. Merci beaucoup monsieur Bouin. T'es content petit parler ça avant. Merci Radio Mega. Merci que nous recevoir aujourd'hui. Jean-Philippe Bouin zami auditeur, c'est responsable opération en dans Digicel compagnie téléphonique ça qui y a monté un frais là sous question mon cash là et c'est une décision qui déjà a soulevé de grogne au prix ou moins City déjà annoncé là justement pour aller camper devant Digicel pour au moins yo capable dit non puisque à un certain moment Digicel l'elle qu'on a monté frais yo c'est pas des good hein des good donc good ouais on met un petit bail sous lit justement rapide et puis maintenant qu'on y a 40% ou dit et tout pour qui raison ça obligé aller rapide comme ça mais maintenant penser c'est compagnie ça mais problème non est-ce que c'est Digicel? Oui en partie c'est Digicel et justement gain l'autre côté tout il y a regarder l'autre dossier bon aller rapide Samo. Sous question ça, avant d'entrer dans le dossier prisonnier, avant d'entrer dans l'autre dossier, je vais regarder ça avec nous. Nous avons gagné deux revendications. Nous avons gagné une équipe qui te prend la rue pour dire que j'en ai fonctionné pas bon. Et c'était Jovenel Moïse qui était président à l'époque ça. C'était Jovenel Moïse qui était président à l'époque ça. Tout le monde d'après l'amour, pas qu'aucune institution qui a marché, tout capé. Maintenant, Ariel Henry, la dernière volonté de Jovenel Moïse, il est venu là. Et Ariel a posé des actions une après l'autre pour le montrer blanc la fond bagaille. Mais en réalité, Ariel n'a pas pris rien. Absolument rien. Je suis d'accord avec moi, c'est la politique. Et la politique, son rapport de force. En face, Ariel, il y a les journalistes.
en face à Ariel. Il y a des monde qui mettait depuis quand coin là pour lui, il y a des monde qui justement a metté tant que communauté qui a dit pour fig en bas pied. Oui, mais maintenant capacité politique lui. Ta doit faire gagner ou bien ça ça me déclarer les blancs cap balbourade là, ta doit mettre la situation pour l'agir pour faire des bagaille. Mais il y a une décision moi Ariel envie prendre là. Pour peut-être qu'il n'a pas voulu prendre l'acte de volonté, mais il souhaitait un lien en tamil. OK? Lien tamil, c'est demander à ce que du monde voye monde dans conseil électoral provisoire. Depuis sous Jovenel, monde qui t'a parlé la transition de rupture yo, yo t'ai parlé c'est départ de Jovenel, conférence nationale souveraine, ou a fait c'est là. Et justement, pour au moins mettre un conseil électoral pour venir réaliser l'élection. OK? Et justement, je pense que c'est important de regarder. Est-ce que Ariel n'a capacité de mettre un conseil électoral provisoire? Est-ce que Ariel capable justement organiser l'élection? J'aime là. OK? Je pense que je vais regarder ça. Mon paquet d'organisation femme, hein, qui dit pas participer dans le processus pour désigner le représentant secteur femme dans le pays. Radio Mi. Moi, Marjorie Michel tout, hein, qui a posté Miralda Jambou. Miralda Jambou, je connais Miralda très bien. Ancien candidat pour sénateur dans le sud-est, qui a poussé Miralda Jambou. Mais je pense que secteur femme, non? Doit moun. C'est des secteurs qui ont plus de division dans le monde. Clair. Mais comme je ne suis pas convaincu de parler de ça, parce que je ne pense pas, je ne pas convaincu que le café. Mais je ne suis pas dans l'autre bagaille. Je ne suis pas dit que mon vie ouais moun qui qu'on a dit Jovenel Moïse pas qu'à régler rien. Mon vie ouais moun qui qu'on a dit justement c'est conférence nationale souveraine, c'est ceci, c'est cela, en vent pour mettre un conseil électoral pour vous pour faire élection. Mon vie ouais moun ça au cap désigner moun pour qu'aille Ariel là. Mon vie ouais ça. Hein? Mon vie ouais parce que Ariel disait deux volontés Jovenel Moïse faut le rappeler de faire là. Ariel envie faire constitution, nouvelle constitution, référendum et élection. Mon vie ouais moun ça. Hein, cap vinn camp en face moi là. Dans la bouche des peuples pour venir dire oui, il faut aller. Hein, il faut aller. Radio il hein, faut que nous fassions référendum, faut que nous fassions élection. Ma vie est ça. Ma vie est ça. Puisque cette question d'idéologie, elle n'est presque pas existante encore. OK? Idéologie, pas gagné encore dans Goumer. Chaque nèg kounya, c'est bataille pour faire peur, c'est bataille pour aller pied moun nan mit la et pour me montrer bio. OK? Et m'bral don bagay. Ou a dit tout depuis qu'il a un gouvernement pour accord apaisé et efficace monté et pas monté non, li publié dans journal officiel pays, le moniteur accord a publié maintenant mettez en application et t'a dit. Faut Ariel te comprendre que li bral frapper non mic en face là. OK? Et m'bral don bagay qui pi rapide, qui pi avant gouvernement ça. Donc c'est comme si nous presque dit tête nous que nous sommes dans gouvernement, nous tapons dans gouvernement de rupture. Kou n'yan pas joindre gouvernement rupture, n'yan pas kabay gouvernement rupture, n'yan tombe dans gouvernement apaisé. Et m'bral don bagay. Ariel Henry peut-être te vle, j'ai fait mes faits volonté Jovenel Moïse, puisque gouvernement monte là, monte presque une semaine après la mort de Jovenel, va oui. Ça veut dire gouvernement monté là c'est gouvernement Ariel mette. Mais en dans gouvernement ouais qui obstacle Ariel yon. En dans gouvernement ouais combien moun ki pa Ariel. En dans gouvernement ouais gon ministre économie et finance qui sont jovenelistes rouges qui ka met Ariel dans toute situation qui t'a chargé. Maintenant à qui ça nous voulait avancer. Comme je pense les policiers pas ka toucher pour vous pas ka toucher son bagage qui c'est vrai me connaît les gars volent en pile comme dans l'état. C'est vrai me connaît les gars prend comme là pour bailler bandi. C'est vrai me connaît les gars prend comme là pour faire l'autre causer. Mais ou pensez c'est pour bagage qui bien calculé comme si les ou pas décidé payer policiers payer professeurs payer ceci payer cela. C'est bagage qui bien calculé.
C'est parce que justement qu'on est une fois que moun sa ou pas touché, yo pral soit en rébellion, yo pral dans manifestation, yo pral dans protestation et puis oh, j'entendais on a un problème. Comme si on pensait kidnapping n'a qu'à faire à terre là, son kidnapping comme ça. Non mon cher. Non mon cher, pas comme ça. Kidnapping n'a son kidnapping calculé pour mettre moun dans situation difficile et montrer pays à invivable et puis j'entendais avoir aller là. Clé. On finit. Hein? Les nuits viennent en situation comme ça. Faut qu'Ariel ta ka gen brain li même pour répondre. Faut qu'Ariel ta gen brain pour répondre. Mais est-ce qu'elle est capable? Mba quoi. OK? Mba quoi. Mba wè Ariel qui gen brain pour le capable. Mba wè ça. Et justement, ou ap mande bataille nou tap mené hein? Qui moi me continue à mener. Bataille équipe nèg qui t'a mené déjà changer quand yo. Est-ce que son bagage en bâti vente ou bien son bataille pour changer système? On a pas de mots ça même. On a des bails ça pour changer système. On a pas de bails comme ça encore non. Hmm? Alors, ou imagine nous dans sanye là, on nèg qui tête li droite, qui rele tête li chef ou bien autorité, li t'a gon bagage l'envie fait d'après l'élection. Ou pensez ça? Même dans rêve ça va être vite. On monte tête droite, on monte qui met ton costume sous l'île de tête li chef fait élection à référendum c'est dernier bagage ou t'a vinn parler là. Hmm? Ouais levier insécurité a et Ariel qui gagne. Pour Ariel t'a fait élection pour bagage t'a fait faut t'a camper faut t'a stopper insécurité a. Mais levier insécurité a et Ariel qui gagne ça. Et c'est qui t'a pas comme si vous pensez on va y en peser ou mettre gaz quoi l'autre compte de machine oui ou peser gaz et puis aller ou lever vos ralenti et comme ça lié nèg qui gagne levier ça ici t'es pas réel lié nèg qui gagne toi mais t'as réel dans situation difficile donc c'est pour moto qui ça zami monter c'est pour moto que référendum non c'est pral c'est ta affaire de toute puisque nous pas utiliser procédure que la loi tracée pour ça là ne pas utiliser procédure la loi tracée pour ça c'est compromis d'une grande majorité on compromis qu'a bon légitimité pour ta faire. Donc Ariel pas dans compromis ça. Ariel pas dans légitimité ça. Deuxième bagaille. Pour ta faire référendum non. Pour ta faire élection faut climat sécurité à bon. Regardez ça qui a passé là. Non mais de un candidat. Ou candidat candidat m'cherche un bazou un deux trois monde qui représente on nous. Gon rencontre dans bicentenaire bon jusqu'à ou bien bon théâtre là. Pour moi sous candidat pour aller. Un gon rencontre dans centre sportif Kafou pour moi sous pour aller. Hmm? Candidat gagne on rencontre by bon commissariat Delma 3 ou pralé candidat n'a pas invité ou là justement non activité n'a fait dans station et tout près de pour aller quoi des bouquets bonne station quoi des bouquets ou pralé bonne station mi balère ou pralé candidat nous gon activité n'a fait là et sous torsel là ou pralé ah la traka papa ou en qui ça ni les amis dit mais l'aime fin parler de tout problème ça yo Radio Omega grain bagaille qui t'a demandé pour faire là t'a pour les solutions grain bagaille qui t'a important l'état demandé initiative qu'a prend justement pour une bail solution avec mais maintenant comment bail solution avec puisque la justice pas capable la police pas capable le parlement pas capable la cour des comptes pas capable la cour de cassation pas capable il va falloir que gon compromis il va falloir que gon conscience qui prend pour retirer pays d'Haïti dans celle là. Mais quelle que soit conscience qu'a prend, la prend à travers un chita parler pour nous avancer. Maintenant qu'on a chita parler qui est qu'a bail et coup d'envoi. Ou quand côté besoin venir l'aime fait tout parler ça pour me venir pour me dou dans accord. Dans accord dans chita parler tout le monde pral voir chita parler pas a proposition il doit passer. Proposition il qu'a bataille là pour le passer. Il n'a pas sien pas capable. Hein. Oh oui, il n'a pas sien pas capable. C'est n'importe quoi capable là. Ou ap d'accord avec si sécurité a pas résoudre. Ou pas dit pour faire qui ça là. En si sécurité a pas résoudre yo donc ça justement et me parle dans élection pour aller. Mon monde qui entré, un monde qui lève matin qui vient travailler frère. Li fin travail bon Dieu fait entrer la caille. Il va pas sortir encore non. Il va pas sortir encore. Bon konn nan système électoral là nous même nous démagogique gen des moun ki rete nan Pétionville là nous prendre voye al voter Kafou gen moun ki Kafou prendre voye le tabac al voter et c'est le bail qui calcule les amis auditeurs
pas comprendre le bagage qui va être comme ça non c'est le bagage qui calculé ou jambe ouais élection fait pour pas un candidat mais deux trois machines là pour aller prendre mon tel bloc à voter de l'autre côté hein et quel que soit gens ça y est ou dit tout côté de aller de toute façon ou dit tout. Est-ce que ça blanc a fait là, ti jet double a fait là, nous pas aller vers justement yon comme te carré ça, yon support international ou yon assistance internationale. Hein? Yon assistance. Gade moun ki ka di, si Ricardo Fleury docteur parle, t'a dit yon assistance technique hein de communauté internationale là, puisque li ou ka imaginer c'est ça ka ba résultat. Mon compte ça qu'enrager dans ça. C'est parce que tout à l'évidence nous on va faire là entre nous on pas capable depuis blanc vient il dit à gauche à droite blanc nous même font poser et puis on avance nous même ça dit c'est blanc qui remède là et blanc lui même il pas ba nous bon remède qui pour guérir tout bon vrai là blanc pas ba nous remède ça non parce que blanc pas veut nous guérir blanc pas ba nous remède parce que blanc pas veut nous sortir dans ça là. Comme souvent, c'est les États-Unis qui ont voulu première commission civile, deuxième commission. C'est résoudre le problème. Bon, non, bagaille. Ou pas ça, Madame Zéa, et qu'on coûte Zéclair. Est-ce sur réseau social, ou de Madame Zéa, tu rencontres Léon Charles, tu te rencontres Ariel. Et Léon Charles, et Ariel, ils ne pas faire dans ce là. Et yon, c'est problème dans tout, ils ne pas résoudre li. Donc, ça le dit, soit venu pour chercher une solution, il pas monde ça va parler. J'ai l'impression qu'à rentrer avec Ariel, c'est pas l'autre, c'est pas parce que moun sa yo gen service intelligence sur la terre, c'est pas parce que moun sa yo fait nouvelle yo ou les bagages, ou qu'à rencontrer avec Léon, dit oh, tout bagage sous contrôle. Oh non, nous même ici là, ouais, et n'a fonctionné là, et là, les activités nocturnes, yo reprennent yo là, et puis Ariel, yo, gouvernement va aller comme si de roulettes. Bon, si yon sota dit blanc pas pour qu'on koukoube. Donc, comme si blanc lui même li pas à terre là pour comprendre ce qui a passé là. Hein? Ou pensez le pas à terre? Nous parlons de ça, les amis, nous parlons de ça en profondeur, mais ça m'a une bonne pression. Pour me proposer là, je vais me proposer à ma tour. C'est méga, Radio Méga, c'est méga, Radio Méga. Depuis l'année 2011, le nourri a commencé à faire transfert manger sorti l'autre bord de l'eau vie, ni pas bon ici en Haïti. Mission li, c'est nourri yo. Alors, la caille, nous connons toujours sous méon. Manchez téléphone nous, voyez SMS, WhatsApp, relevez nous l'autre bord de l'eau, dis yo fait transfert manger pour nous avec nourri yo. Comme ça, ça fait petit trip à valer gros trip, ça finit pour la vie. Parce que, faut me dire, transfert manger nourri yo, bon marché. Et, y a plusieurs packages pour satisfaire toute qualité boost. Faut me dire, tout package yo, bourré à manger. Qui donc? Tout le monde joue. Famille nous gagne la peine en tête. Nous-mêmes, nous gagne la peine en vente. Allez, qui est? Pas de tirer contre cri, crac, crac, pour plaît-il-man, m'a dépit gagne manger, n'a débattre la réalité réelle. C'est fait, famille nous, l'autre bord de l'eau fait transfert manger nous yo ak nourri yo. Et puis, rapide, manger vini, grand goût fini. Nous gagne la sorte complète, ou nas là? Ah, nous compte une chanson, hein? Chantons-la en cœur. Oh, oh, nourri yo. Mangez fini, grand goût fini, avec nous Rio. Pour voyager en Haïti, rentrer ou bien sortir, il est obligatoire pour gagner un test Covid négatif. Puis bon laboratoire qui fait test Covid, puis rapide et puis fiable en Haïti, relé.